Ouais, je m'amuse. Je suis encore un gamin dans ma tête. Ah, content de vous retrouver dans ce cadre magnifique. De retour dans une vidéo assez spéciale dehors, enfin en extérieur, en ASMR extérieur. Donc, je suis en événement, on va dire. Donc je me suis préparé spécialement pour l'événement en question. Bon, ce n'est pas un événement comme un événement habituel, hein. C'est un événement assez spécial puisqu'il s'agit d'une fête d'anniversaire. Voilà. Et j'en profite pour vous faire un petit coucou, faire une petite vidéo comme ça, à l'improviste, comme à mes habitudes, sur cette balançoire qui fait partie de l'extérieur. En fait, nous sommes à l'extérieur d'un gîte. Donc voilà. Et j'espère que cette petite vidéo extérieure, de retour à l'extérieur en ASMR, vous plaira. Donc voilà, on fera. Mais pourquoi pas vous faire une petite vidéo comme ça qui peut être sympa. Et en plus, j'ai de la chance. Il fait très beau. Bon, la température, elle est automnale, hein, assez automnale. Bon, pas plus de 20 degrés. Ça, c'est entre 15 et 20 degrés, pas plus. Mais c'est très agréable parce qu'il y a du soleil. Et ça fait toujours du bien au moral d'avoir du soleil qui fasse super beau. Et nous sommes en pleine campagne, évidemment. On n'entend rien du temps, rien du tout, ou presque. C'est calme et tout. L'atmosphère est apaisante. Voilà. Donc voilà, bon bah on ferait découvrir des petites visites, tout ça. Voilà, en marchant et dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Allez, on continue dans cette vidéo. Voilà tout le terrain. Sur cette souche d'arbre. Ben voilà. C'était vraiment. Non, mais c'est. Le cadre est vraiment sympa ici, on sent la tranquillité et le calme absolu, tout simplement. Tout ce qu'on veut d'une vidéo ASMR, tout ce qu'on souhaite, c'est surtout le calme, la nature, la tranquillité, la relaxation, tout simplement. Et comme le cadre était idéal, je profitais de cet événement. Pour vous faire voir un peu le cadre et pourquoi pas vous faire une petite vidéo comme ça sur ce superbe
super cadre en extérieur pour vidéo ASMR extérieur. Attendez, j'essaie de le... Ah, je fais quelques petits réglages, ouais, parce que voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Oui, donc la vidéo s'est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un petit problème technique. Bon, ce qui arrive. Donc, et en plus, ça faisait plaisir de retrouver mon caméscope. De m'aventurer avec mon caméscope, ça fait toujours plaisir de profiter de ces occasions là pour vous faire voilà, vous faire une vidéo extérieure en ASMR. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ce genre de vidéo en extérieur et en pleine campagne, en pleine nature, enfin presque la nature, parce que derrière moi il y a le gîte en question, il y a la salle des fêtes et tout. Donc je me suis dit voilà, pourquoi pas voilà, dans ce cadre idéal, pourquoi pas vous faire une petite vidéo ASMR qui serait très sympa à vous faire faire, une petite séance de relaxation, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Petite feuille qui commence à tomber parce que normal, nous sommes en automne. Ça fait très plaisir et d'avoir la chance d'avoir un temps comme ça, parce que généralement quand l'automne arrive, c'est quand l'automne arrive, c'est pas toujours évident de filmer en extérieur, surtout faut se fier à la météo, faut pas qu'il pleuve, enfin voilà, faut qu'il fasse un temps idéal pour filmer, quoi. Et justement, ça tombe bien, c'est le temps idéal pour filmer, et donc c'est vraiment un coup de bol, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment, on a vraiment de la chance de ce côté-là, surtout quand on fête des anniversaires, quand on fête des événements comme celui-là, des mariages, tout ça, quoi. Donc c'est quand même très bien, c'est quand même le cadre est vraiment idéal, quoi. C'est vraiment vraiment très sympa, et ça me permet de me ressourcer, ça fait du bien. Je profite d'être seul, enfin. Je profite qu'il n'y ait personne pour profiter du gîte à moi tout seul. Enfin, il n'y a pas que moi, je ne suis pas seul, mais les invités ne sont pas encore arrivés. Donc on profite qu'il n'y ait pratiquement pas de monde pour pouvoir filmer dans de bonnes conditions, dans le calme, voilà. Et après, vous n'en saurez pas plus parce que c'est une soirée privée et c'est normal. Ça fait partie de ma famille et de mes amis, donc on va pas. Donc voilà. Je préfère, je profite qu'il fasse encore jour pour pouvoir filmer. Voilà. En tout cas, moi, je suis prêt pour la fête. Je suis prêt. Ceci est ma tenue de soirée, parce que c'est une soirée à thème. Donc, alors, du coup, il fallait que j'aie du bleu sur moi. Et ça tombe bien, j'ai du bleu sur moi. Donc, voilà ma petite tenue de soirée. Bon, évidemment,
ce n'est pas du costard cravate, ce n'est pas tout ça. Moi, je sais pas trop mon truc, tout ce qui est costard cravate. Par contre, un petit costard avec un petit nœud papillon, c'est pas de refus. C'est toujours plus, j'ai toujours trouvé plus joli. Apparemment, mon caméscope, il déconne un petit peu. Il commence à se faire un peu vieux, mon caméscope aussi, donc c'est normal. Mais je sais pas, il s'arrête de temps en temps, il s'arrête de filmer. Pourtant, j'ai rechargé à fond ma batterie, donc bon, des fois, voilà. Ah, le terrain est vraiment beau. C'est un très beau terrain. Personnellement, ce serait le rêve d'avoir un terrain comme ça, avec des arbres autour, un beau gazon où je laisserais exprimer la nature. Avec un petit jardin sympathique, tout ça. Petite séance relaxation en extérieur. Ça m'a manqué ce genre de vidéo, hein. Pas vous. Il y a un tracteur qui passe. Bon, ça lui arrive de bugger souvent, mon caméscope, mais au moins ça m'a fait plaisir de vous partager cette vidéo avec vous, de cette nouvelle vidéo en extérieur que je n'avais pas fait depuis si longtemps, et depuis le temps que je devais en refaire d'autres, ben, c'était le moment de vous faire part de cette vidéo ASMR en extérieur, dans la nature, dans la campagne, à côté d'un beau gîte où on va faire la teuf et tout, donc ça va être vraiment cool. Alors, donc voilà, je vous laisse donc après cette vidéo extérieure, et à la prochaine. N'hésitez pas à m'envoyer des likes, des commentaires. Si vous en voulez d'autres, des vidéos comme ça en extérieur, dans la nature ou ailleurs, n'hésitez pas. J'essaierai de me trouver du temps pour moi, pour que je puisse filmer de nouveau en extérieur. Que ça soit en hiver, en été, au printemps, n'importe quelle saison. De toute façon, il faut profiter du moment, il faut profiter de l'instant présent, et voilà, tout simplement. Et profiter des choses simples de la vie, voilà, qui nous rend heureux, tout simplement. Et que oui, voilà, tant qu'il fasse beau, qu'il y ait du soleil, pas forcément de la chaleur, mais qu'il y ait du soleil, pour que la météo soit idéale pour pouvoir filmer, quoi. Donc, du coup, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, bonne journée, bonne soirée, prenez bien soin de vous et de vos proches, et la paix sur vous. Merci, ciao, ciao.